Ça y est, je suis à plat. Des ennuis? Excusez-moi, mais je suis à plat. Vous avez une pompe? Pourquoi, vous n'en avez pas? Je l'ai perdue ou on me l'a volée. Bah, attendez, là, je vais demander. Dis-moi, Hubert. Une petite minute. Oh! Est-ce que tu aurais une pompe? Il y a une petite qui est à plat. Bah, celle qui est dehors. Et où va-t-elle, à cette heure? Elle retourne à l'école hôtelière, je suppose. Tiens, il faudra qu'elle marche. Pourquoi? T'as pas de pompe? Non. Qu'elle marche, ça lui fera prendre l'air. D'accord, mais après ce qu'il y a eu il y a 6 mois, c'est pas prudent de traverser la forêt. Ouais, c'est vrai, c'était sur ce chemin-là. Et également une fille de l'école. Oui, je sais. Tant pis, elle a qu'à se débrouiller. Toujours aussi sauvage. Toutes mes excuses, j'ai rien à vous offrir. J'ai pas trouvé de clou, on a dû dégonfler. Comme si on voulait que je marche pour rentrer. Vous avez peur de traverser la forêt? Oui. Oui, je m'en doutais. Comment se nommait l'autre gosse, là? Monica Bayer. Elle revenait de Munich, elle aussi, et elle a dû rentrer à pied à l'école. Mais si je téléphonais pour qu'on vienne? Non, de toute façon, je suis en retard, merci. Je vais me dépêcher prendre le raccourci. Merci encore. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que t'as contre? Ils sont toutes des garces. Je fous le camp. Bonne nuit. Ah. Attendez, c'est moi, Munger. J'aimerais de vous effrayer. Je vous avais tout de suite reconnu. Bonsoir, monsieur Munger. Bonsoir. Soyez tranquille, je vous accompagne pour rentrer à l'école. Je vais être en retard de toute manière. J'arrêtais pas de penser à Monica. C'est par ici qu'on l'a tuée. Oui, c'était là-haut, un peu plus loin. C'est une chance que je sois passé. Qu'est-ce qu'elle a, votre bicyclette? Un pneu à plat. Ah. Vous venez d'où aussi tard? Je suis allé à Munich. Bon, dépêchons-nous, je vous reconduis à l'école. Vous êtes allé faire des emplettes? Un pantalon et un chemisier. Ah, mais les magasins ferment à 6 heures. Je me suis offert le ciné. Vous savez pourtant qu'il ne faut pas rentrer en pleine nuit. Comment allez-vous faire? Tout est bouclé. Il y a une fenêtre ouverte tout le temps. Surtout, ne leur dites rien. Non, non. Vraiment lugubre par ici. Oui, moi-même j'ai peur de traverser ce coin bien que j'y habite. Vous savez où j'habite, non? Tout près de la clairière. Merci, monsieur Munger. Tenez, si vous veniez avec moi, je pense qu'à la maison il y a une pompe. Vous êtes gentil, je ne veux pas vous embêter, si vous voulez. Mais non, vous n'embêtez personne, je vous jure. Je vais vous faire ça en un tour de main. Oh, flûte! Votre pantalon neuf. Excusez-moi. Voilà. C'est une jolie maison. Mais vous y êtes déjà venu. Elle a gardé une partie de fin d'année. Je vais la monter sur la terrasse. On ne voit rien du tout dehors. Pas la peine de vous déranger, je suis presque arrivée. Oh, mais ça ne me dérange pas du tout. Maintenant, je peux continuer à pied. Oh, pas question. Vous irez plus vite. Entrez une seconde. Ça y est. Venez. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Non, il est trop tard. Asseyez-vous un instant. Allons. Ah, ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi. Il est déjà bien tard. Oh, pas trop pour écouter de la musique. Musique? Vous vouliez chercher une pompe? J'aime bien la musique actuelle, pas vous? Je sais que vous l'adorez aussi. Rodolphe? Ça, c'est ma mère. J'habite ici avec ma mère. Rodolphe? Rodolphe?
Ouvre cette porte. Je t'en prie, ouvre la porte. Rudolf, m'entends-tu? Rudolf, je t'en conjure, ouvre-moi tout de suite. Ouvre-moi la porte. Rudolf, je t'en prie. Rudolf, je t'en supplie. Ouvre cette porte. Je t'en supplie, ouvre. Voici le principal Derrick, Madame Goebel, la directrice de l'école hôtelière. Bonjour, Madame Goebel. C'est la deuxième étudiante assassinée dans ce bois. En un an, s'en fait deux. Et de si atroces façons. Mais qui sont ces personnes? Ce sont des journalistes. Bon, ils n'ont rien à faire ici. Laissez pas ces messieurs approcher. Tu viens? Allez, reculez. Vous n'avez rien à photographier. Allez-vous-en, je vous prie. Vous entendez? Retirez-vous, j'utiliserai la force. Que vient-il de se passer? Rien du tout, partez. Vous trouvez des empreintes? Quelques-unes. Ne laissez pas cette gosse allongée là. Je suis de la presse. Le patron, c'est vous? Oui, mais pas de déclaration pour l'instant. Ben pourquoi? Faut bien qu'on soit au courant. Écoutez-moi, rejoignez donc les autres. On l'a violée? De toute évidence. Manifestement pas ici. On est venu la coller à cet endroit. Tu penses? Elle sortait avec sa bicyclette et repartait vers l'école à pied. Oui. On va aller jusqu'à la gare. J'ai demandé si elle désirait que je téléphone et qu'on vienne la prendre ici. Elle a dit non, que c'était inutile. Bon sang, j'aurais jamais dû la laisser rentrer toute seule. Elle avait, selon vous, un pneu dégonflé à une roue du virage du tape-plat. Elle disait que probablement on lui avait dégonflé volontairement. Parce qu'elle a trouvé aucun clou. Elle avait l'air désespérée. Elle est partie de ce côté-là. Elles prennent tout le raccourci. Un salopard a fait ça, dégonfler le pneu afin qu'elle reparte à pied à l'école. C'est une chose à considérer. Dis-moi, Hubert,
Hier soir, je t'ai demandé si t'avais une pompe. Tu as dit que t'en avais pas. Oui, ça t'embête. J'ai demandé ça à Hubert qui vient parfois aussi en vélo. Où est votre bicyclette? Là, c'est là que je la range. Je vois, vous avez une pompe. Pourtant, t'as dit que t'en avais pas. Parce qu'elle est naze. Non, elle fonctionne. Parfois, elle fonctionne, mais pas tout le temps. Vous n'avez pas donné la pompe la nuit dernière. Parce que je ne voulais pas. Mais t'es dingue, Hubert. Où étiez-vous hier soir, monsieur? Chez nous, tout le temps. Est-ce que vous avez des témoins? Des tas. Ma femme, mes gosses aussi. Et un voisin. Des tas. J'ai même un alibi. Vous pourrez pas m'avoir. Qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Que t'as dit le gars qui tient le kiosque? Le gros? Ouais. Il dit qu'il était chez lui et il a pas l'air calme. Cherche un peu. Il ne veut pas donner sa pompe, alors cette fille est morte de sa faute. Oui, une seule chose est sûre, le meurtrier devait bien connaître la gosse. Tu crois? Oui, il savait qu'elle revenait de Munich et qu'elle était toute seule, qu'elle était à vélo. Ouais, alors on fonce. C'est ici. C'est pas eux qui vont nous ramener Maria et Hélène. Venez par ici. Pardon. Merci. Vous avez sans doute remarqué l'attention des filles. Toute l'école est devenue malade. Et, toutes nos élèves sont traumatisées. Ce sont les cours? Naturellement, les cours se poursuivent de façon tout à fait normale. Nous gardons nos habitudes. Pour que le choc puisse s'amortir. Dirks. Oui, madame. Que Ingeberwald et oui, que madame. Gartke et Meyer veuillent bien ne pas bouger. Oui, je m'en charge. Bon, eh bien, mais enfin, qu'est-ce que vous attendez? Oui, madame, tout de suite. Vous leur demandez de ne pas bouger, hein, c'est entendu. Il est toujours comme ça. Oui, depuis une vingtaine d'années. Oh. Ces trois filles partageaient la même chambre que Hélène Tice. Je suppose que vous désirez leur parler. Oui. Oui, naturellement. Quand, Madame Goebbels, avez-vous appris l'assassinat? Moi? Cette nuit, il était une heure et une des filles est entrée chez moi. Ingeberwald. Parce qu'elle est la meilleure amie d'Hélène. Elle a cogné à ma porte tout à coup. Elle m'a réveillée. Madame la directrice! Vite, Madame Goebbels! Mais qui est là? C'est moi, Ingeberwald. Oh, non. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, Seigneur. Tu te rends compte qu'il est plus d'une heure? Hélène n'est pas encore de retour. Hélène, mais enfin, voyons, son nom est marqué sur la feuille d'appel de ce soir. Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Toi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est elle qui me l'a demandé. Elle voulait aller au Cinoche. Elle devait revenir par le dernier train de Munich. Il y a longtemps qu'il est revenu. Mais comment as-tu pu faire ça? Enfin, tu sais parfaitement que c'est interdit. Je sais bien, mais je voulais rendre service à Hélène. Oh, mon Dieu, mais enfin, comment voulais-tu qu'elle rentre? Tout est fermé. Elle est peut-être dehors. Sûrement pas. Il y a une fenêtre d'ouverte tout le temps. Ah bon, c'est de mieux en mieux, ça. Allons-y. Nous sommes immédiatement descendus ensemble. J'ai effectivement constaté qu'une des fenêtres de la cave était restée ouverte. Nous nous sommes ensuite rendus devant la porte d'entrée. Il n'y avait pas de trace d'Hélène. Je me suis habillée. Inge est venue avec moi. Et toutes les deux, nous sommes allées réveiller Dirks. Évidemment, j'ai tout de suite pensé à Monica Bayer, qui un jour aussi n'était pas rentrée. Alors nous avons pris le chemin forestier en direction de la gare. Roulez en douceur, Dirks. Est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous regardez, madame? Vous supposez qu'elle a... Oh non. Attendez-moi!
ce que c'est? C'est une bicyclette. Vous la connaissez? C'est le vélo d'Hélène. Hélène? Hélène Tess! Mais c'est peut-être pas la sienne. Enfin si, je l'ai reconnue. Que voulez-vous faire? Non, ne touchez à rien. Allons-nous-en vite. Allez, donnez-moi la main et partons. Oh mon Dieu. Elle est morte? Comment est-ce qu'elle a pu dégringoler jusque-là? Accrochez-vous, je vais vous aider. C'est pas un accident. Elle a été assassinée. Il faut rentrer et téléphoner à la police, à un docteur. J'ai peur de rester ici tout seul. Monsieur Munger, je vous en prie, ouvrez. Monsieur Munger, ouvrez s'il vous plaît. Vous, Madame Goebbels? Est-ce que je peux téléphoner? Pourquoi? Une étudiante a été assassinée en plein milieu de la forêt. Hélène Tess. Où est votre âne? Il est là. Qui dois-je appeler d'abord, la police ou un docteur? Elle est morte. Elle est morte. C'est effrayant, Munger. Rodolphe? Qui est là, Rodolphe? C'est Madame Goebbels qui est là, maman. Il s'est passé quelque chose d'atroce, Madame Munger. Allô, la police? Une de nos étudiantes vient d'être... C'est Madame Goebbels à l'appareil, la directrice. Un meurtre a été commis sur la route de l'école hôtelière. Oui, 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 en pleine forêt. Presque au même endroit que l'autre. Oui, oui, merci, merci. Une autre étudiante, son vélo est sur le chemin, mais la fillette est tombée dans l'eau. La pauvre mère de Monsieur Munger a fait une attaque en apprenant ça. Je n'ai pas pu revenir chez moi. Est-elle cardiaque? Cela, je n'en sais rien. Est-ce que nous pouvons parler à la petite? Oui, bien sûr, naturellement. Tenez, voici la classe où travaillait la Lutaïs. Vous voulez peut-être y jeter un coup d'œil? Oui, oui. Tu vas visiter la maison. Excusez-moi de vous déranger, monsieur l'inspecteur. Merci. C'est la police criminelle de Munich qui est là. Vous voulez également interroger monsieur Munger? Ah, monsieur Munger est un de vos professeurs. Oui. Voici l'inspecteur principal d'Eric. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour, monsieur Munger. Hélène Tess travaillait aussi dans cette classe. Oui. Et je crois que sa table était... Oui, c'était celle-là. Oh. Bien, et qui était très aimé par tous. Il vaudrait mieux interrompre un moment le cours d'aujourd'hui. Nous pourrons le reprendre peut-être dans l'après-midi. C'est d'accord, monsieur Munger? Monsieur Munger aurait ainsi la possibilité de répondre à vos questions, inspecteur. Non, 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 vous êtes gentil. Je voudrais surtout parler une minute avec celle qui était dans la chambre avec Hélène. Bien sûr, monsieur l'inspecteur. Bien, soyez gentil de monter dans vos chambres ou d'aller dans la salle de gymnastique. Je vous précède, inspecteur. C'est ici qu'Hélène Tess logeait. Et voici ses compagnes de chambre. Annie Gartke. Bonjour. Veronika Meyer et Inge Berwald. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voici l'inspecteur Derrick de la brigade criminelle. Inge Berwald, c'est vous, hein? Oui. Vous étiez la plus liée de toutes avec Hélène, je crois. Oui. Je voudrais parler à Inge en particulier, s'il vous plaît. C'est
Très compréhensible, inspecteur. Veuillez m'accompagner, mademoiselle. Seulement quelques petites questions, mademoiselle Berwald. Vers quelle heure hier soir Hélène Theiss est-elle partie à Munich? Après le déjeuner, parce que nous n'avions plus de cours de la journée. Mais qu'allait-elle faire à Munich? Elle allait faire des courses. Et ensuite, elle allait au ciné, je crois, et revenait par le dernier train de nuit. Je lui avais dit que c'était de la folie de prendre des risques uniquement pour aller au cinéma. Mais je n'irai peut-être pas au ciné. Je veux sortir et voir d'autres gens. On est en tôle ici. Et personne ne le remarquera. Si tu ne dis rien, je prendrai le dernier. Comment tu vas rentrer? Tout est bouclé le soir. Laisse une fenêtre ouverte. Hélène, je vais avec toi au ciné si tu es d'accord. Je lui ai dit de ne pas faire ça. Demande une autorisation, comme ça on pourra aller te chercher, Dirks par exemple. Elle savait en plus que c'était le règlement. Pour toutes. Oh, j'ai pas pu la raisonner. Elle allait voir un film d'Alain Delon, qui est un navet. Je suis descendue dans le hall. J'ai marqué sur le livre, tour, Hélène Theiss, 19h30. Et maintenant c'est ma faute. Allons, voyons. C'est la faute de Delon. Pourquoi? Eh oui, s'il n'avait pas fait ce film, elle serait restée avec vous et elle ne serait pas sortie. C'est une imbécilité. Oui, c'est que ce soit vous aujourd'hui qui vous sentiez responsable de tout. Hein? Bon. À part vous, qui d'autre était au courant que Hélène Theiss partait à Munich et qu'elle rentrait par le dernier train de nuit? Eh bien, les autres, Annie et Véronica. En dehors d'elle, personne? Non. Non, nous seulement. Non, rien, merci. Vous non plus, vous ne pouvez rien avaler? Non, et je n'ai pas une très grosse faim. Encore une petite de sa classe. Cette Monita Bayer était une de vos élèves, non? Il y a de quoi vous couper l'appétit. Oui. Et il a toutes les grandes, en plus. Aux environs de 17-18 ans, c'est l'âge où toutes ces petites, si vous m'autorisez cette remarque, sont plus affriolantes les unes que les autres. Pour vous, peut-être? Non, pour un potentiel assassin. Et un potentiel assassin est souvent un homme. On l'est tous. Votre réaction est personnelle. C'est vous qui provoquez cette réaction. Moi? Ah oui, naturellement. Regardez la façon dont elles sont vêtues. Aucun intérêt pour moi. Pour moi, si. Oui, je m'en rends compte. Eh oui, regardez toutes ces mini-jupes, tous ces chemisiers entrouverts en permanence, mon vieux. Enfin, je veux dire qu'elles veulent se faire remarquer, faire de l'effet. Et sur qui? Sur les hommes. Malheureusement, vous voyez le résultat. Vous discutez de ce drame, mon cher, d'une façon assez cynique. Je suis d'accord avec tout ça, mon cher collègue. Celui qui a commis cela ne peut être qu'un monsieur immonde, bon, un salaud. Vous exagérez. Pour répandre comme une peste. Non, c'est un peu vite dit, mon cher. On ne pend plus personne pour ce genre de broutille. Vos opinions ne sont un secret pour personne. Lisa, je trouve que les façons d'agir de ces jeunes personnes sont des provocations de tous les instants. Encore que personnellement, je n'y sois pas opposé. C'est joli à regarder. Tiens, le nom est marqué. Hélène Theiss. Ah oui. Oui. Un point près que ce n'est pas elle qui a marqué son nom sur le registre. La signature est fausse. Oui, je sais, mais Inge Berwald est assez puni comme ça. Tiens, en fait, ça me revient. Hélène Theiss voulait aller faire quelques achats à Munich. Oui, c'est exact. Seulement, auprès du corps, on n'a rien trouvé. Bonne question. A-t-elle ou non fait des emplettes? Ah oui, elle tenait un grand paquet. Une grosse sacoche qu'on trouve partout. Dans tous les magasins. Hein. Bah, allez savoir lequel. Oui, j'ai remarqué cette sacoche. Ah. Merci bien. Alors? Oui, elle avait une sorte de grosse sacoche. Mmh. Mais il ignore de quel magasin elle pouvait provenir. Ah. Oui. À quoi tu penses? À rien. Moi non plus. Je suis désolée, je ne trouve rien. Oui, je vous comprends. Je vous dispense de ce devoir. Merci. Vous étiez dans la même chambre? Oui. Vous dormiez sans doute
tout près de cet enfant. Oui, nous dormions pratiquement côte à côte. C'est affreux, je sais. Ce n'est pas facile de travailler. Navré de vous ennuyer. Excusez-moi, monsieur Manger. Vous les faites travailler? Oui, parce que vous disiez que les choses doivent être aussi normales qu'elles le sont d'habitude. Oui, je suis d'accord. Nous désirions poser une question à mademoiselle Berwald. Hélène voulait aller à Munich y faire quelques emplettes. Oui. Le chef de gare se souvient que quand il a rencontré Hélène, elle tenait quelque chose. Une sorte de sacoche en plastique, comme tous les magasins en ont. Et nous, nous n'avons rien trouvé à côté de la victime. Vous savez peut-être ce qu'elle avait l'intention d'acheter? Oui, un pantalon, un blue jean bleu clair et un chemisier noir avec des motifs rouges. Mmh. Bien, ce sera tout. Merci beaucoup. Excusez-nous, monsieur Manger. Mais voyons de rien, madame. Allez, continuons de travailler. Faites ce que vous pourrez. Je crois que nous n'avançons pas. Il va falloir passer toute la forêt au peigne fin. Oui. Ouais. Vous disiez que hier soir, c'est de chez Manger que vous aviez téléphoné. Oui. Il habite tout à côté du chemin? Oui, dans le coin de la clairière. Il connaît donc bien le secteur. Ah, oui, naturellement. Peut-être. Monsieur Manger peut nous venir en aide. Est-il obligé de continuer à faire son cours? Bien sûr que non. Cet homme est plus en état de faire son cours. Il faudra qu'il se repose un moment. Oui, ça n'est pas étonnant. Dirks? Oui, madame. Voulez-vous monter salle 5 et demander à monsieur Manger d'arrêter son cours et de venir nous rejoindre très vite? Oh, oui, bien sûr. Dépêchez-vous, Dirks. Je vais passer la 5 à Dachmann. Vous allez voir Manger. Oh, pardon. Puis-je entrer? Eh oui, madame Bowman. J'aurai quelque chose à vous dire. Je vous en prie. Voilà, j'ai pensé il y a une minute. Ça ne veut peut-être rien dire. Je vous en prie, parlez. On pense évidemment, comme je l'ai entendu dire, que seuls les trois camarades de chambre de la petite Tice savaient qu'elle partait à Munich ce soir-là. Oui? Il y avait une autre personne qui le savait aussi. Mais qui, madame Bowman? C'est Dachmann. Il le savait. Qui est ce Dachmann? C'est un de nos professeurs. Il devait assurer la surveillance hier soir. Chaque soir, un enseignant doit assurer le service de surveillance des chambres. Quelles sont ses attributions? Il doit contrôler les portes et doit surveiller le silence dans la maison. Et il est là en cas d'urgence. Et ce Dachmann assurait le service dans la soirée d'hier? Oui. Et M. Dachmann savait que Helen Tice avait quitté la maison? Oui. Monsieur Dachmann le savait. C'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit il y a une minute dans le couloir que quelqu'un n'était pas revenu hier soir, qu'il avait appris aussi qu'une fenêtre était ouverte. Je lui ai dit qu'il pouvait fermer cette fenêtre, en tout cas. Il a dit, mais comment alors cette petite serait-elle rentrée à la maison? Monsieur Dachmann? Oui. J'ai cru qu'il était préférable de venir tout vous dire. Ce n'est pas moi, évidemment, qui en tirerai les conclusions. Ce sera tout, madame Bowman. Merci encore. Mais de rien, madame Goebbels. C'est tout naturel. Monsieur Manger, je viens d'apprendre à monsieur l'inspecteur Derrick que vous connaissiez bien la région. La police a besoin d'un homme qui connaisse le secteur. Je suppose que vous acceptez d'être à leur disposition. Mais oui, bien entendu. Pardon. Accepteriez-vous de m'aider? J'aimerais revoir l'environnement de l'école. Mais volontiers. Harry, tu vas t'occuper de tout le reste. Tu vois ce dont je veux parler, bien entendu. Monsieur Manger. Dites-moi, pourrions-nous voir la personne dont on nous parlait? Naturellement. Je suis impatiente de la voir aussi. Tenez, regardez, cette fenêtre était ouverte. Je l'ai vu tout de suite en entrant. Ce verrou-là n'avait pas été verrouillé. La fenêtre était fermée, seulement le verrou était dans cette position-là, voyez-vous? De l'extérieur, il était donc très facile d'ouvrir. Vous pouviez me signaler, monsieur. Oh, mais pourquoi, madame? Ce sont encore de très jeunes filles. Elles ont bien le droit de chercher à se distraire. Elles ne sont pas bouclées en prison. Et quand elles ne rentrent pas à l'heure exacte, elles sont bien obligées de passer quelque part. Mais bon sang, nous sommes tous au courant. Monsieur Dachmann, je ne suis pas contre quand une fille rentre tard et passe par la fenêtre, vous le savez très bien. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'elle traverse la forêt, monsieur. Elle traverse la forêt, mais comment puis-je savoir par où elle passe? Saviez-vous qu'il s'agissait de Helen Tice la nuit dernière? Non, pourquoi? Vous deviez tout de suite aller voir sur la liste de présence. Voyons. Nous savons parfaitement que tout le monde est sur cette liste. Vous n'avez donc rien signalé? Non.
Je n'avais aucune raison de le faire. Pas la moindre raison. Toutes mes excuses. Merci. Il y a du monde par ici? Du monde ici? Oui, des forestiers ou des promeneurs. Des bûcherons? Non, non, pas toujours, non, non. Il y en a peu qui viennent dans ce coin. Beaucoup de gens ont peur de la forêt. Depuis la mort de Monica Bayer? Eh oui, je suppose. Est-ce que c'est boueux par ici? Oh. C'est curieux, elle devait avoir ce paquet avec elle. Elle était partie jusqu'à Munich pour s'acheter un blue jean et un chemisier. Ce sont des affaires qui se voient, non? Ou alors, il les a emmenés avec lui. Mais pourquoi faire? Tâchons d'imaginer le moment où se déroule le crime. Hélène Tice revient de Munich avec son paquet. Elle pousse sa bicyclette, c'est la nuit et elle n'y voit pas grand-chose. D'autre part, elle a peur, elle pense à Monica Bayer. Soudain, l'homme se dresse devant Hélène. Elle s'enfuit. Bah oui, naturellement, elle s'enfuit. Elle court comme une folle. Elle laisse tomber son vélo, elle laisse tomber son paquet. Elle sait bien que c'est le meurtrier. Le gars court derrière elle, attrape vite, la saisit et la viole. Ah, et ensuite, il l'assassine. Et il prend la fuite, en laissant le vélo là où il est. Il laisse aussi le paquet qu'elle portait. Pourquoi fait-il ça? Vous avez une idée? Je vais vous le dire. Parce que cette histoire, comme je viens de la raconter, ne colle pas. Alors nous allons reprendre le tout à l'envers. Le meurtrier, qui n'est sans doute pas un meurtrier occasionnel, c'est sûr, se balade aussi dans la forêt, seul, aux alentours de minuit. Et c'est un beau salaud. Il habite certainement dans les parages. Il est important, le lotissement qui est là. Comment ça? Combien de maisons, combien de personnes y habitent? Attendez une seconde, il y a une vingtaine de maisons, peut-être plus, oui. Et y habite... je ne sais pas où. Non, ça fait rien, on fouillera toutes les maisons et on interrogera tout le monde. On avancera peut-être. Le feu nous rend fou. Oui. À l'école, il y a de la neige, ici il pleut, entrecoupé de soleil. Et tout ça en moins de 2 kilomètres. Ouais, pas étonnant qu'il y ait des malades et des détraqués. Pas étonnant du tout. Dis donc, est-ce que... Vous êtes seul? Il y a d'autres personnes ici? Oui, ma mère. Je vis avec ma mère qui est vieille et malade. Elle est éternellement sur les nerfs, à telle enseigne qu'elle m'a prié de quitter ce pays, de partir loin d'ici. Mais c'est toute mon existence. Il est hors de question que nous partions. Un moment, monsieur. Elle voulait que vous laissiez tomber l'école hôtelière? Eh oui, elle voulait que je quitte l'école hôtelière. Mais c'est au-dessus de mes forces, non? Elle remet ça sur le tapis, et particulièrement par un temps pareil. Oui, j'ai beau lui dire... Oui, pas. Je me fais beaucoup de soucis. Par ici, monsieur l'inspecteur. Un petit instant, s'il vous plaît. Maman. Rodolphe? Oui, oui, c'est moi, maman. Pourquoi rentres-tu si tôt? Il y a quelqu'un avec moi. C'est un inspecteur de la police criminelle. Il a des questions à me poser. Mais il est inutile de te lever. Reste allongé, maman. Prenez place, inspecteur. Merci. Vous habitez ici depuis longtemps, monsieur Manger. Oh, cela fait 3 ans déjà. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver quelque chose aussi près de l'école hôtelière. Mais maman, pourquoi n'es-tu pas restée au lit? Je t'ai dit qu'il était inutile de te lever. Voici ma mère. Bonjour, madame Manger. Monsieur l'inspecteur est ici tout à fait par hasard, parce que ces hommes cherchent les preuves et les indices qui peuvent leur manquer dans le voisinage. Les preuves de quoi? Nous partons de l'hypothèse que l'assassin peut se trouver dans le coin ou habiter le secteur, dans une maison des alentours. Dans une maison des alentours? Oui, ce serait plausible. Assieds-toi, maman. Tu n'aurais pas dû te lever. Tu sais que tout ceci est trop pénible pour toi. Hier soir, quand madame Goebbels a cogné à notre porte et nous a raconté ce qu'elle venait de voir... Vous voulez quelque chose, inspecteur? Non, non, merci. Tu veux me servir, maman? Maman, tu veux me servir quelque chose? Oui.
Connaissez-vous les gens qui sont près de chez vous? Non, pas très bien, non. Ce sont tous des ouvriers ou alors des gens qui vont chaque jour à Munich. On ne se rencontre pas. Où faites-vous les courses, Madame Anger? Les magasins sont éloignés? Il n'y a qu'un magasin dans le coin, alors je m'y rends parfois. Sois gentille, maman. Serre-moi. Maman, voyons. Merci, maman. Est-ce que les filles de l'école allaient dans ce magasin de temps en temps? Oui, j'en ai vu parfois quelques-unes. Avez-vous connu Hélène Tice? Hélène Tice? Oui. Celle qu'on a tuée dans la forêt, maman. Non. Non, j'ignorais qui c'était. Disons plutôt que jusqu'à ce moment, j'ignorais qui était cette fille. Alors, peut-être l'ai-je aperçue déjà chez moi parce que... Mon fils réunit parfois toute sa classe, une fête de printemps. Tout cela se passe dans le jardin. Nous avons un très joli jardin. J'amenais à boire sans arrêt à tout le monde et... J'ai bien souvent remarqué des faits qui me troublaient et qu'il faut que je dise. Lesquels, Madame Manga? Eh bien, la façon dont ces petites avaient de s'installer. Les chemisiers déboutonnés. Oh, je sais, il faisait très chaud, mais cela ne justifiait en rien se laisser aller. C'est... Il y a un point qu'il faut considérer en premier, c'est que ces petites et leurs allures sont à l'origine de tout ce qui peut arriver. Des petites de 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est l'âge où ces petites pensent à provoquer les hommes. Et dans la classe de mon fils, autant que je puisse me rappeler de tout, les filles étaient plutôt belles. Ces filles sont encore des gosses et ne réalisent pas les dangers qu'elles courent. Bien, je dois y aller, Monsieur Manger. Vous revenez jusqu'à l'école? Mais oui, bien sûr, si vous voulez. Pardon. Oh, voyons, mais pourquoi tout ce cirque? Entendu, oui, j'ai emmené plusieurs fois plusieurs élèves en balade, et alors? Ces petites ne pensent qu'à une chose, c'est sortir un peu. Oui, mais vous les avez emmenées également à la baignade. Oui, naturellement. Mais un moment, calmez-vous. Un moment. Vous vous êtes baigné aussi avec les petites. Oui, avec toutes. Et peut-être avec 5000 autres. Il ne s'agit pas que de ça, Monsieur Dachmann. Ce que je désire savoir, c'est si vos rapports et relations avec les étudiantes... Dedans, vous en faites un bruit. Ah, oui. Si vos rapports et relations avec les étudiantes étaient normales, ou doit-on les considérer comme des rapports d'un autre caractère? Non, vous devenez fou, quoi. Qu'entendez-vous par autre caractère? Parce qu'un contact naturel vous étonne. Mais pensant, alors tout doit vous étonner. Voulez-vous avoir la bonté de nous laisser seuls un instant? Bien entendu. Non, pas dans le couloir. Monsieur Dachmann, allez dans mon bureau. Mais pourquoi faire? Vous voulez me dire ce qui se passe ici? Vous me mettez sous surveillance? Monsieur Dachmann. Non, là, c'est moi, je peux y aller tout seul. Mais pourquoi es-tu aussi brutal? Bon, doucement, l'homme qui hier soir devait être de service était Dachmann. Il n'y a rien de terrible. Non, seulement il savait qu'une des filles était sortie. Tu veux me dire ce que tu en penses? Je le sais déjà. Il savait qu'une fenêtre était ouverte. Je le sais aussi. Naturellement, il ne s'en est pas préoccupé parce que tout le monde connaît l'entrée de secours. Il raconte qu'il s'est mis au lit à minuit pile. Est-ce que c'est tellement incroyable? Non, seulement moi, j'ai eu des renseignements plus précis à son sujet. On dit que Dachmann aurait pu avoir des rapports assez intimes avec plusieurs filles. C'est bien ce qu'on a dit? Intime, je suppose qu'il est difficile de pousser aussi loin. Dachmann avait avec les petites des relations d'un caractère privé, on le sait tous, ça ne m'étonne pas, mais il faut voir jusqu'où ces relations sont allées. Tout le problème me semble être là. Vous pensez que c'est allé jusqu'où? Oh, il ne se contentait pas d'aller se baigner avec elle. Ils allaient souvent aussi dans des boîtes de nuit. Ils buvaient tous ensemble. Ils dansaient. Ils revenaient tous au milieu de la nuit, disons, plutôt sous. Plutôt sous? Oh, enfin, en bel état. Ils chantaient en rentrant ensemble, ils utilisaient naturellement la fenêtre de la cave. Mais voyons, pourquoi ne me l'a-t-on pas signalé tout de suite? Moi, j'étais certainement le dernier à vouloir vous le signaler. Seulement, il y a eu des meurtres chez nous. Alors là, on cesse de couvrir un collègue, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vous écoute, monsieur... Spark. Parlez, monsieur. Disons que les façons de notre collègue Dachmann sont des plus curieuses. Ce ne sont que plaisanteries d'un style plutôt cochon, sans arrêt. C'est le thème qui revient constamment. En plus, notre collègue Dachmann est le seul d'entre nous à se battre pour être de service de nuit. Et pourquoi donc? C'est parce que les contrôles lui permettent tout. Chambres ouvertes, on entre sans frapper.
Juste pour regarder surprendre les gosses en train de se dévêtir, c'est assez dans son genre. Je suis hors de moi, inspecteur, si tout cela est vrai. Oui, croyez-moi. Oui, presque tout est vrai. Mais presque. J'aime ces petites, ça je ne le nie pas une seconde. Toute ma vie, j'ai voulu pouvoir enseigner à des filles. C'est bien plus amusant. Et puis, c'est plus passionnant, surtout. Oui, bien sûr, je me suis baigné avec elles. Je me suis baladé aussi, seulement... pas passé des nuits à danser, j'ai pas eu le moindre rapport intime avec elle, parce que je sais qu'un enseignant qui ne respecterait pas ce principe se verrait jeté dehors. Cela m'était difficile parfois, je vous l'avoue. Oui, ma faute vient du fait que je n'ai pas caché la sympathie que j'avais pour ces gosses, c'est peut-être là mon erreur. Les petites me la rendaient bien, en tout cas. Elles savaient très bien aussi que je faisais ce que je pouvais pour leur venir en aide. Monsieur Dachmann, est-il vrai qu'un soir, vous soyez revenu avec des élèves, que vous aviez tous un peu trop bu et que vous êtes entré en passant par une fenêtre? Oui, c'est vrai. Seulement, sachez que j'avais bu tout seul. Hein. J'avais vu les filles par hasard. Elles devaient fêter quelque chose et... Bien sûr, certaines ne tenaient plus sur leurs pieds. C'était très amusant. Oui. Mais qui pouvais-je? J'aime les filles, je dis. J'aime beaucoup les jeunes filles. Mais pas au point de les tuer. Oui, merci. Oh, les portes sont encore ouvertes. Mais combien de fois est-ce qu'il faut vous dire de boucler les portes? Madame la directrice vous a dit de tout boucler. Oh, la police est encore ici, vous le savez, les enfants. Bon sang, mais fermez donc vos portes. Vous savez ce qu'on vous a dit, non? Bouclez tout. Oh, je vais finir par devenir fou, moi. Oh. Vous pouvez pas être raisonnable une seconde. Faut leur répéter tout le temps la même chose. Bouclez tout. La porte. La porte. Arrête donc de te faire continuellement des reproches, Inge. Si elle me l'avait dit, je serais aussi allée inscrire son nom et puis j'aurais laissé la fenêtre ouverte, bien sûr. Alors, te faire tout souci, ça n'a aucun sens. Est-ce que je peux entrer? Mais oui, monsieur Munger. Ça vous a sérieusement bouleversé? Moi aussi. C'était donc sa chambre. Et ici, c'était le lit de Hélène. Oui. La police est venue chez vous? Oui. Seulement, nous, on n'avait rien à leur raconter. Vous voulez du thé? Non, merci. Et vous êtes... Enfin... Vous étiez sa meilleure camarade. Oui. Maintenant, elle se fait des reproches parce que c'est elle qui a marqué le nom sur le registre. J'ai bien raison de m'en faire. Depuis l'histoire de Monica, nous n'avions plus le droit de sortir et on avait raison de l'interdire. Et personne ici n'avait respecté l'interdiction, alors te fais pas un cirque continuellement. N'empêche que c'est ma faute ce qui est arrivé. Mais non, asseyez-vous, il ne faut pas dire cela. Vous savez que c'est ridicule de dire ça. Ben, qu'est-ce qu'il voulait, celui-là? Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous m'avez raconté l'histoire à propos de ces filles dans le jardin et vous condamniez leur comportement et la provocation des filles envers les hommes, les dangers qu'elles courent. Oh, ça n'était qu'une idée idiote comme tant d'autres. C'est absurde de ma part, vous n'en tenez aucun compte. Vous m'avez clairement dit que ces gosses... Non, pas du tout, ce n'est qu'une idée que j'ai eue un jour, une fois à une surprise partie. Un moment, vous avez dit que les filles qui se trouvaient là étaient presque nues. Mon Dieu, il faisait chaud, une belle et chaude journée d'été. Ah. Vous pensez donc qu'il est inutile de se poser des questions, madame? Oui. C'est inutile. Vous voulez savoir pourquoi? Non, merci. Permettez-moi de me retirer. Je trouverai la sortie tout seul. Mesdemoiselles,
mademoiselle, c'est terminé. Restez pas là. Partez dans vos chambres. Allez, allez, tout le monde au lit immédiatement. Allez, ouste. Allez, ouste. Ah, je vous le dirai pas deux fois, vous entendez? D'accord. Dépêchez-vous. Allez, ouste. Bonsoir, dear. Tiens, allez, ouste ton lit. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, madame la directrice. Monsieur Manger? J'étais en train de consulter la liste des présences et j'ai vu que Inge Berwald n'était pas inscrite. Oui, je sais, elle m'a averti. Elle est allée voir sa mère à Munich et elle revient demain, dans la journée. Ah bon, alors c'est parfait. Seulement, dans ce cas, cela devrait être marqué. Ah, rien n'est inscrit? Non, non. Allez le marquer, monsieur Manger. Mais naturellement. Bien, vous êtes gentil. Bonne nuit, madame Goebbels. Bonne nuit, monsieur Manger. Oui, j'écoute. Ici, l'école hôtelière. Ah, bonsoir, monsieur. Monsieur Manger, c'est vous qui êtes servi ce soir? Ici Inge Berwald. Je téléphone de Munich. Je désire... De Munich? Ah, oui, oui, je sais. Oui, j'ai appris que vous restiez chez votre maman ce soir. Oui, mais il y a quelque chose qui cloche. Ma mère a été obligée de partir voir ma grand-mère et ne m'a laissé aucune clé. Je vais revenir par le dernier train. Oui, par le dernier train. Vous allez le prendre? Oui, seulement si Dirce peut venir me chercher, pourriez-vous l'avertir? Tout de suite? S'il vous plaît. S'il ne peut pas, je passerai la nuit chez une camarade. Je vous rappelle dans quelques instants. Oui, oui, c'est entendu. Oui, je vous écoute. Inge Berwald, monsieur Manger. Dirce peut venir me chercher. Monsieur Manger? Oui, oui, je lui ai demandé. Dirce ira vous prendre. D'accord, entendu. Je pars tout de suite. Et merci encore, monsieur Manger. À tout à l'heure. Mmh.
Vous rentrez à l'école par le chemin? Oui, mais on vient me chercher. Ah, tant mieux, ça me rassure. Bonne nuit. Bonne nuit. Mademoiselle, j'ai toujours pas de bicyclette à vous prêter. Aucune. Bonsoir, mademoiselle Birwald. Bonsoir, monsieur Manger. Où est Dirk? C'est lui qui devait venir. Oui, mais sa voiture refuse de partir. Elle est restée trop longtemps sans tourner. Et vous vous êtes dérangé pour moi? Oui, oui. J'hésitais à vous laisser rentrer seul. N'y avait-il pas une autre voiture? Mais laquelle? Celle de madame Goebbels. Oh, je n'allais pas réveiller madame la directrice pour si peu. Alors il faut rentrer à pied. Ce chemin me fait une peur atroce. Également le jour. Mais oui, je comprends ça. Mais je suis là. Plus vite nous serons rentrés, plus vite nous serons au lit. On prend le raccourci. Qu'avez-vous fait de beau à Munich? Je voulais rester chez ma mère, mais c'était impossible parce que brusquement, ma grand-mère est tombée malade dans la soirée. Rien de grave, j'espère. J'espère aussi et je crois qu'elle a une fracture du bras. Allez, avancez. Vous avez froid? Non, non. Ce n'était pas là. Je n'en sais rien. Je préférerais courir. Eh bien, courons. Voyez-vous, vous êtes à bout de souffle. Vous aussi? Oui, exactement. Venez, on va aller boire quelque chose. Oh, vous peut-être, mais moi rien. Non, 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 je ne vous force en rien. Mais moi, je suis à sec. Il faut qu'on reparte. Il est déjà très tard. Ça n'a aucune importance. Entrez une minute. Allez, venez. Entrez. Allez, venez. Laissez-moi un moment. Rudolf, installez-vous. Je vais chercher quelque chose. Entrez. Pourquoi est-ce que vous bouclez la porte? Allons, venez. Et asseyez-vous. Soyez sage. Ça va aller très vite. C'est moi, maman. Maman, c'est moi. Alors reste tranquille. Et pourquoi est-ce que vous bouclez les portes? Maman? Mais pourquoi tu ne dis rien? Calmez-vous. Vous avez agi comme il le fallait. Harry, viens. Emmène la petite. Il y a longtemps que vous saviez tout. Oui. En outre, cette petite et votre mère ont pu ainsi nous donner les preuves que vous avez tué Monika Bayer et Ellen Theismanger. Inge vous a appelé à l'école. Le tout était de savoir si vous alliez réveiller Dirks pour qu'il aille chercher Inge Berwald à la gare. J'ai attendu dans le bureau de Mme Goebbels pour voir ce qui allait se produire. Dirks dort encore comme à Loire. C'est lui qui est parti. Naturellement, nous n'avons pas laissé Mlle Berwald une seconde seule. Pas un instant, elle n'a couru le moindre danger. À la minute précise où vous avez quitté l'école, je me suis précipité chez votre mère. Elle était déjà endormie. Mais finalement, elle m'a ouvert et elle m'a laissé entrer. La malheureuse ne savait plus où elle en était. Je lui ai dit que je considérais son fils comme un meurtrier et je lui ai expliqué la souricière que nous avions tendue. Et que vous veniez de partir pour la gare chercher Mademoiselle Berwald. Si vous avez quelque chose à dire, Madame Manger, il faut le dire tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Elle croyait peut-être qu'il ne se passerait rien.
Peut-être croyait-elle aussi que je ne lui avais pas dit la vérité. Peut-être, moi, rien. Non. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un arriver. Mais moi, je suis à sec. J'ai immédiatement compris où les meurtres avaient été commis. Il faut qu'on reparte, il est déjà très tard. J'ai aussitôt emmené Madame Manger dans sa chambre. Entrez une minute. Venez. Entrez. Allez, venez. C'est moi, maman. Rudolf. Installez-vous, je vais chercher quelque chose. Entrez. Pourquoi est-ce que vous bouclez la porte? Allons, entrez. Et asseyez-vous. Soyez sage, ça va aller très vite. C'est moi, maman. Maman, c'est moi. Alors reste tranquille. Pourquoi est-ce que vous bouclez les portes? C'est un malade. C'est l'assassin. Mais il est dingue. Malade. Maman. Mais pourquoi tu ne dis rien? Voici le principal d'Eric, Madame Goebbels, la directrice de l'école hôtelière. Bonjour, Madame Goebbels. C'est la deuxième étudiante assassinée dans ce bois. En un an, en fait deux. Et de si atroces façons. Mais qui sont ces personnes? Ce sont des journalistes. Bon, ils n'ont rien à faire ici. Laissez pas ces messieurs approcher. Tu viens? Allez, reculez. Vous n'avez rien à photographier. Allez-vous-en, je vous prie. Vous entendez? Retirez-vous, j'utiliserai la force. Que vient-il de se passer? Rien du tout, partez. Trouvez les empreintes? Quelques-unes. Ne laissez pas cette gosse allongée là. Je suis de la presse. Le patron, c'est vous? Oui, mais pas de déclaration pour l'instant. Ben pourquoi? Faut bien qu'on soit au courant. Écoutez-moi, rejoignez donc les autres. On l'a violée? De toute évidence. Manifestement pas ici. On est venu la coller à cet endroit. Tu penses? Elle sortait avec sa bicyclette et repartait vers l'école à pied. Oui. On va aller jusqu'à la gare. J'ai demandé si elle désirait que je téléphone et qu'on vienne la prendre ici. Elle a dit non, que c'était inutile. Bon sang, j'aurais jamais dû la laisser rentrer toute seule. Elle avait, selon vous, un pneu dégonflé et une roue divérée à tête à plat. Elle disait que, probablement, on lui avait dégonflé volontairement. Parce qu'elle a trouvé aucun clou. Elle avait l'air désespérée. Elle est partie de ce côté-là. Elles prennent toutes leurs raccourcis. Un salopard a fait ça, dégonfler le pneu afin qu'elle reparte à pied à l'école. C'est une chose à considérer. Il
Dis-moi, Hubert. Hier soir, je t'ai demandé si t'avais une pompe. Tu as dit que t'en avais pas. Oui, ça t'embête. J'ai demandé ça à Hubert, qui vient parfois aussi en vélo. Où est votre bicyclette? La police est venue chez vous? Oui. Seulement, nous, on n'avait rien à leur raconter. Vous voulez du thé? Non, merci. Et vous êtes... Enfin, vous étiez sa meilleure camarade. Oui. Maintenant, elle se fait des reproches parce que c'est elle qui a marqué le nom sur le registre. J'ai bien raison de m'en faire. Depuis l'histoire de Monica, nous n'avions plus le droit de sortir et on avait raison de l'interdire. Et personne ici n'avait respecté l'interdiction, alors te fais pas un cire continuellement. N'empêche que c'est ma faute ce qui est arrivé. Mais non, asseyez-vous, il ne faut pas dire cela. Vous savez que c'est ridicule de dire ça. Qu'est-ce qu'il voulait, celui-là? Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous m'avez raconté l'histoire à propos de ces filles dans le jardin et vous condamniez leur comportement et la provocation des filles envers les hommes, les dangers qu'elles courent. Oh, ça n'était qu'une idée idiote comme tant d'autres. C'est absurde de ma part, vous n'en tenez aucun compte. Vous m'avez clairement dit que ces gosses... Non, pas du tout, ce n'est qu'une idée que j'ai eu un jour, une fois à une surprise partie. Un moment, vous avez dit que les filles qui se trouvaient là étaient presque nues. Mon Dieu, il faisait chaud, une belle et chaude journée d'été. Ah. Vous pensez donc qu'il est inutile de se poser des questions, madame? Oui, c'est inutile. Vous voulez savoir pourquoi? Non, merci. Permettez-moi de me retirer. Je trouverai la sortie tout seul. Mademoiselle, c'est terminé. Restez pas là. Partez dans vos chambres. Allez, tout le monde au lit. Allez, au lit immédiatement. Allez, ouche. Ah, je vous le dirai pas deux fois. Vous entendez? D'accord. Dépêchez-vous. Allez, ouche. Tiens, allez, ouche ton lit. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est la police criminelle de Munich qui est là. Vous voulez également interroger Monsieur Manger? Ah, Monsieur Manger est un de vos professeurs. Oui. Voici l'inspecteur principal d'Eric. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour, Monsieur Manger. Hélène Tice travaille aussi dans cette classe. Oui. Et je crois que sa table était... Oui, c'était celle-là. Oh. Qui était très aimé par tous. Il vaudrait mieux interrompre un moment le cours d'aujourd'hui. Nous pourrons le reprendre peut-être dans l'après-midi. C'est d'accord, Monsieur Manger? Monsieur Manger aurait ainsi la possibilité de répondre à vos questions, inspecteur. Non, vous êtes gentil. Je voudrais surtout parler une minute avec celle qui était dans la chambre avec Hélène. Bien sûr, monsieur l'inspecteur. Bien, soyez gentil de monter dans vos chambres ou d'aller dans la salle de gymnastique. Je vous précède, inspecteur. C'est ici qu'Hélène Tice logeait. Et voici ses compagnes de chambre. Annie Gartke. Bonjour. Veronica Meyer et Inge Berwald. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voici l'inspecteur Derrick de la brigade criminelle. Ah.
Inge Berwald, c'est vous, hein? Oui. Vous étiez la plus liée de toutes avec Hélène, je crois. Oui. Je voudrais parler à Inge en particulier, s'il vous plaît. C'est très compréhensible, inspecteur. Veuillez m'accompagner, mademoiselle. Seulement quelques petites questions, mademoiselle Berwald. Vers quelle heure hier soir, Hélène Theiss est-elle partie à Munich? Après le déjeuner, parce que nous n'avions plus de cours de la journée. Mais qu'allait-elle faire à Munich? Elle allait faire des courses, et ensuite elle allait au ciné, je crois, et revenait par le dernier train de nuit. Je lui avais dit que c'était de la folie de prendre des risques uniquement pour aller au cinéma. Mais je n'irai peut-être pas au ciné. Je veux sortir et voir d'autres gens. On est en tôle ici. Et personne ne le remarquera. Si tu ne dis rien, je prendrai le dernier. Et comment tu vas rentrer? Tout est bouclé le soir. Laisse une fenêtre ouverte. Hélène, je vais avec toi au ciné, si tu es d'accord. Je lui ai dit de ne pas faire ça. Demande une autorisation, comme ça on pourra aller te chercher, Dirks, par exemple. Lan, vous savez que c'est ridicule de dire ça. Ben, qu'est-ce qu'il voulait, celui-là? Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous m'avez raconté l'histoire à propos de ces filles dans le jardin et vous condamniez leur comportement et la provocation des filles envers les hommes, les dangers qu'elles courent. Oh, ça n'était qu'une idée idiote comme tant d'autres. C'est absurde de ma part, vous n'en tenez aucun compte. Vous m'avez clairement dit que ces gosses... Non, pas du tout, ce n'est qu'une idée que j'ai eu un jour, une fois à une surprise partie. Un moment, vous avez dit que les filles qui se trouvaient là étaient presque nues. Mon Dieu, il faisait chaud, une belle et chaude journée d'été. Ah. Vous pensez donc qu'il est inutile de se poser des questions, madame? Oui, c'est inutile. Vous voulez savoir pourquoi? Non, non, merci. Permettez-moi de me retirer. Je trouverai la sortie tout seul. Mademoiselle, c'est terminé. Restez pas là. Partez dans vos chambres. Allez, allez, tout le monde au lit. Allez, au lit, immédiatement. Allez, ouf. Allez, ouf. Ah, je vous le dirai pas deux fois, vous entendez? D'accord. Dépêchez-vous. Allez, ouf. Allez, ouf, ton lit. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, madame la directrice. Monsieur Manger? J'étais en train de consulter la liste des présences et j'ai vu que Inge Berwald n'était pas inscrite. Oui, je sais, elle m'a averti. Elle est allée voir sa mère à Munich et elle revient demain dans la journée. Ah bon, alors c'est parfait. Seulement, dans ce cas, cela devrait être marqué. Ah, rien n'est inscrit? Non, non. Allez le marquer, monsieur Manger. Mais naturellement. Bien, vous êtes gentil. Bonne nuit, madame Goebbels. Bonne nuit, monsieur Manger. Rentrez. Vous avez peur de traverser la forêt? Oui. Oui, je m'en doutais. Comment se nommait l'autre gosse, là? Monica Bayer. Elle revenait de Munich, elle aussi, et elle a dû rentrer à pied à l'école. Mais si je téléphonais pour qu'on vienne? Non, de toute façon, je suis en retard, merci. Je vais me dépêcher prendre le raccourci. Merci encore. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que t'as contre... Ils sont toutes des garces. Je fous le camp. Bonne nuit. Ah.
Hello. Mon Dieu. Hélène, n'ayez pas peur. Attendez, c'est moi. Munger. J'aimerais de vous effrayer. Je vous avais tout de suite reconnu. Bonsoir, monsieur Munger. Bonsoir. Soyez tranquille, je vous accompagne pour rentrer à l'école. Je vais être en retard de toute manière. J'arrêtais pas de penser à Monica. C'est par ici qu'on l'a tuée. Oui, c'était là-haut, un peu plus loin. C'est une chance que je sois passé. Qu'est-ce qu'elle a, votre bicyclette? Un pneu à plat. Ah. Vous venez d'où aussi tard? Je suis allé à Munich. Bon, dépêchons-nous, je vous reconduis à l'école. Vous êtes allé faire des emplettes? Un pantalon et un chemisier. Ah, mais les magasins ferment à 6 heures. Je me suis offert le ciné. Vous savez pourtant qu'il ne faut pas rentrer en pleine nuit. Comment allez-vous faire? Tout est bouclé. Il y a une fenêtre ouverte tout le temps. Surtout, ne leur dites rien. Non, non. C'est vraiment lugubre par ici. Oui, moi-même j'ai peur de traverser ce coin, bien que j'y habite. Vous savez où j'habite, non? Tout près de la clairière. Merci, monsieur Munger. Tenez, si vous veniez avec moi, je pense qu'à la maison, il y a une pompe. Vous êtes gentil. Je ne veux pas vous embêter, si vous voulez. Mais non, vous n'embêtez personne, je vous jure. Je vais vous faire ça en un tour de main. Oh, flûte! Votre pantalon neuf. Excusez-moi. Voilà. C'est une jolie maison. Mais vous y êtes déjà venu. Elle a gardé une partie de maman. Serre-moi. Maman, voyons. Merci, maman. Est-ce que les filles de l'école allaient dans ce magasin de temps en temps? Oui, j'en ai vu parfois quelques-unes. Avez-vous connu Hélène Tice? Hélène Tice? Oui. Oh, celle qu'on a tuée dans la forêt, maman. Non. Non, j'ignorais qui c'était. Disons plutôt que jusqu'à ce moment, j'ignorais qui était cette fille. Alors, peut-être l'ai-je aperçue déjà chez moi, parce que mon fils réunit parfois toute sa classe. Une fête de printemps. Tout cela se passe dans le jardin. Nous avons un très joli jardin. J'amenais à boire sans arrêt à tout le monde et j'ai bien souvent remarqué des faits qui me troublaient et qu'il faut que je dise. Lesquels, madame Munger? Eh bien, la façon dont ces petites avaient de s'installer. Les chemisiers déboutonnés. Oh, je sais, il faisait très chaud, mais cela ne justifiait en rien se laisser aller. C'est... Il y a un point qu'il faut considérer en premier, c'est que ces petites et leurs allures sont à l'origine de tout ce qui peut arriver. Des petites de 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est l'âge où ces petites pensent à provoquer les hommes. Et dans la classe de mon fils, autant que je puisse me rappeler de tout, les filles étaient plutôt belles. Ces filles sont encore des gosses et ne réalisent pas les dangers qu'elles courent. Bien, je dois y aller, monsieur Munger. Vous revenez jusqu'à l'école? Mais oui, bien sûr, si vous voulez. Pardon. Oh, voyons, mais pourquoi tout ce cirque? Entendu, oui, j'ai emmené plusieurs élèves en balade, et alors? Ces petites ne pensent qu'à une chose, c'est sortir un peu. Oui, mais vous les avez emmenées également à la baignade. Oui, naturellement. Mais un moment, calmez-vous. Un moment. Vous vous êtes baigné aussi avec les petites. Oui, avec toutes. Et peut-être avec 5000 autres. Il ne s'agit pas que de ça, monsieur Dachmann. Ce que je désire savoir, c'est si vos rapports et relations avec les étudiantes... Donc, vous en faites un bruit. Ah, oui. Si vos rapports et relations avec les étudiantes étaient normales, ou doit-on les considérer comme des rapports d'un autre caractère? Vous devenez fou, quoi. Qu'entendez-vous par autre caractère? Parce qu'un contact naturel vous étonne. Mais bon sang, alors tout doit vous étonner. Voulez-vous avoir la bonté de nous laisser seuls un instant? Bien entendu. Non, pas dans le couloir. Monsieur Dachmann, allez dans mon bureau. Mais pourquoi faire? Vous voulez me dire ce qui se passe ici? Vous me mettez sous surveillance? Monsieur Dachmann. Non, là, c'est moi, je peux y aller tout seul. Mais pourquoi es-tu aussi brutal? Bon, doucement, l'homme qui hier soir devait être de service était Dachmann. Il n'y a rien de terrible. Non, seulement il savait qu'une des filles était sortie. Tu veux me dire ce que tu en penses? Je le sais déjà. Il savait qu'une fenêtre était ouverte. Je le sais aussi. Naturellement, il... Mmh.
Oui, j'écoute. Ici, l'école hôtelière. Ah bonsoir, monsieur. Monsieur Manger, c'est vous qui êtes servi ce soir? Ici Inge Berwald. Je téléphone de Munich. Je désire... De Munich? Ah oui, oui, je sais. Oui, j'ai appris que vous restiez chez votre maman ce soir. Oui, mais il y a quelque chose qui cloche. Ma mère a été obligée de partir voir ma grand-mère et ne m'a laissé aucune clé. Je vais revenir par le dernier train. Ah oui, par le dernier train. Vous allez le prendre? Oui, seulement si Dirce peut venir me chercher, pourriez-vous l'avertir? Tout de suite? S'il ne peut pas, je passerai la nuit chez une camarade. Je vous rappelle dans quelques instants. Oui, oui, c'est entendu. Je vous écoute. Inge Berwald, monsieur Manger. Dirks peut venir me chercher. Monsieur Manger? Oui, 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 je lui ai demandé. Dirks ira vous prendre. D'accord, entendu. Je pars tout de suite. Et merci encore, monsieur Manger. À tout à l'heure. Mais oui, monsieur Manger. Ça vous a sérieusement bouleversé? Moi aussi. C'était donc sa chambre. Et ici, c'était le lit de Hélène. Oui. La police est venue chez vous? Oui. Seulement, nous, on n'avait rien à leur raconter. Vous voulez du thé? Non, merci. Vous êtes, enfin, vous étiez sa meilleure camarade. Oui. Maintenant, elle se fait des reproches parce que c'est elle qui a marqué le nom sur le registre. J'ai bien raison de m'en faire. Depuis l'histoire de Monica, nous n'avions plus le droit de sortir et on avait raison de l'interdire. Et personne ici n'avait respecté l'interdiction, alors te fais pas un cirque continuellement. N'empêche que c'est ma faute ce qui est arrivé. Mais non, asseyez-vous, il ne faut pas dire cela. Vous savez que c'est ridicule de dire ça. Bah, qu'est-ce qu'il voulait, celui-là? Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous m'avez raconté l'histoire à propos de ces filles dans le jardin et vous condamniez leur comportement et la provocation des filles envers les hommes, les dangers qu'elles courent. Oh, ça n'était qu'une idée idiote comme tant d'autres. C'est absurde de ma part, vous n'en tenez aucun compte. Vous m'avez clairement dit que ces gosses... Non, pas du tout, ce n'est qu'une idée que j'ai eu un jour, une fois à une surprise partie. Un moment, vous avez dit que les filles qui se trouvaient là étaient presque nues. Mon Dieu, il faisait chaud, une belle et chaude journée d'été. Ah. Vous pensez donc qu'il est inutile de se poser des questions, madame? Oui, c'est inutile. Vous voulez savoir pourquoi? Non, non, merci. Permettez-moi de me retirer. Je trouverai la sortie tout seul. Mademoiselle, c'est terminé. Restez pas là. Partez dans vos chambres. Allez, allez, tout le monde au lit. Allez, immédiatement. Allez, ouf!
Allez, housse. Ah, je vous le dirai pas deux fois, vous entendez? D'accord. Dépêchez-vous. Allez, housse. Bonsoir, dear. Tiens, allez, housse ton lit. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ne laissez pas cette gosse allongée là. Je suis de la presse. Le patron, c'est vous? Oui, mais pas de déclaration pour l'instant. Ben pourquoi? Faut bien qu'on soit au courant. Écoutez-moi, rejoignez donc les autres. On l'a violée? De toute évidence. Manifestement pas ici. On est venu la coller à cet endroit. Tu penses? Elle sortait avec sa bicyclette et repartait vers l'école à pied. On va aller jusqu'à la gare. J'ai demandé si elle désirait que je téléphone et qu'on vienne la prendre ici. Elle a dit non, que c'était inutile. Bon sang, j'aurais jamais dû la laisser rentrer toute seule. Elle avait, selon vous, un pneu dégonflé et une roue du virage à tout à plat. Elle disait que probablement on lui avait dégonflé volontairement. Parce qu'elle a trouvé aucun clou. Elle avait l'air désespérée. Elle est partie de ce côté-là. Elles prennent tout le raccourci. Un salopard a fait ça, dégonfler le pneu afin qu'elle reparte à pied à l'école. C'est une chose à considérer. Dis-moi, Hubert. Hier soir, je t'ai demandé si tu avais une pompe. Tu as dit que tu n'en avais pas. Oui, ça t'embête. J'ai demandé ça à Hubert qui vient parfois aussi en vélo. Où est votre bicyclette? Là, c'est là que je la range. Je vois, vous avez une pompe. Pourtant, t'as dit que t'en avais pas. Parce qu'elle est naze. Non, elle fonctionne. Parfois, elle fonctionne, mais pas tout le temps. Vous n'avez pas donné la pompe la nuit dernière. Parce que je ne voulais pas. Mais t'es dingue, Hubert. Où étiez-vous hier soir, monsieur? Chez nous, tout le temps. Est-ce que vous avez des témoins? Des tas. Ma femme, mes gosses aussi. Et un voisin. D'état. J'ai même un alibi. Vous pourrez pas m'avoir. Qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Que t'as dit le gars qui tient le kiosque? Le gros? Ouais. Il dit qu'il était chez lui et il a pas l'air câlin. Cherche un peu. Il ne veut pas donner sa pompe, alors cette fille est morte de sa faute. Oui. Une seule chose est sûre, le meurtrier devait bien connaître la gosse. Tu crois? Oui. Il savait qu'elle revenait de Munich et qu'elle était toute seule. Qu'elle était à vélo. Ouais, alors on fonce. C'est seulement le dernier à vouloir vous le signaler. Seulement, il y a eu des meurtres chez nous. Alors là, on cesse de couvrir un collègue, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vous écoute, monsieur... Spark. Parlez, monsieur. Disons que les façons de notre collègue Dachmann sont des plus curieuses. Ce ne sont que plaisanteries d'un style plutôt cochon, sans arrêt. C'est le thème qui revient constamment. En plus, notre collègue Dachmann est le seul d'entre nous à se battre pour être de service de nuit. Et pourquoi donc? C'est parce que les contrôles lui permettent tout. Chambres ouvertes, on entre sans frapper. Juste pour regarder, surprendre les gosses en train de se dévêtir, c'est assez dans son genre. Je suis hors de moi, inspecteur, si tout cela est vrai. Oui, croyez-moi. Oui, presque tout est vrai. Mais presque. J'aime ces petites, ça je ne le nie pas une seconde. Toute ma vie, j'ai voulu pouvoir enseigner à des filles. C'est bien plus amusant. Et puis, c'est plus passionnant, surtout. Oui, bien sûr, je me suis baigné avec elles. Je me suis baladé aussi, seulement... pas passé des nuits à danser, j'ai pas eu le moindre rapport intime avec elle, parce que je sais qu'un enseignant qui ne respecterait pas ce principe se verrait jeté dehors. Cela m'était difficile parfois, je vous l'avoue. Oui, ma faute vient du fait que je n'ai pas caché la sympathie que j'avais pour ces gosses, c'est peut-être là mon erreur. Les petites me la rendaient bien, en tout cas.
Elle savait très bien aussi que je faisais ce que je pouvais pour leur venir en aide. Monsieur Dachmann, est-il vrai qu'un soir, vous soyez revenu avec des élèves, que vous aviez tous un peu trop bu et que vous êtes entré en passant par une fenêtre? Oui, c'est vrai. Seulement, sachez que j'avais bu tout seul. Hein. J'avais vu les filles par hasard. Elles devaient fêter quelque chose et... Bien sûr, certaines ne tenaient plus sur leurs pieds. C'était très amusant. Oui. Mais qui pouvais-je? J'aime les filles, je dis. J'aime beaucoup les jeunes filles. Mais pas au point de les tuer. Oui, merci. Oh, les portes sont encore ouvertes. Mais combien de fois est-ce qu'il faut vous dire de boucler les portes? Madame la directrice vous a dit de tout boucler. Oh, la police est encore ici, vous le savez, les enfants. Bon sang, mais fermez donc vos portes. Vous savez ce qu'on vous a dit, non? Bouclez tout. Oh, je vais finir par devenir fou, moi. Oh. Vous pouvez pas être raisonnable une seconde. Faut leur répéter tout le temps la même chose. Bouclez tout. La porte. La porte. Arrête donc de te faire continuellement des reproches, Inge. Si elle me l'avait dit, je sais. Vous n'avez rien à photographier. Allez-vous-en, je vous prie. Vous entendez? Retirez-vous, j'utiliserai la force. Que vient-il de se passer? Rien du tout, partez. Trouvez les empreintes? Quelques-unes. Ne laissez pas cette gosse allongée là. Je suis de la presse. Le patron, c'est vous? Oui, mais pas de déclaration pour l'instant. Ben pourquoi? Faut bien qu'on soit au courant. Écoutez-moi, rejoignez donc les autres. On l'a violée? De toute évidence. Manifestement pas ici. On est venu la coller à cet endroit. Tu penses? Elle sortait avec sa bicyclette et repartait vers l'école à pied. Oui. On va aller jusqu'à la gare. J'ai demandé si elle désirait que je téléphone et qu'on vienne la prendre ici. Elle a dit non, que c'était inutile. Bon sang, j'aurais jamais dû la laisser rentrer toute seule. Elle avait, selon vous, un pneu dégonflé et une roue du virage à tête à plat. Elle disait que, probablement, on lui avait dégonflé volontairement. Parce qu'elle a trouvé aucun clou. Elle avait l'air désespérée. Elle est partie de ce côté-là. Elle prenne tout le raccourci. Un salopard a fait ça, dégonfler le pneu afin qu'elle reparte à pied à l'école. C'est une chose à considérer. Dis-moi, Hubert. Hier soir, je t'ai demandé si tu avais une pompe. Tu as dit que tu n'en avais pas. Oui, ça t'embête. J'ai demandé ça à Hubert qui vient parfois aussi en vélo. Où est votre bicyclette? Là, c'est là que je la range. Je vois, vous avez une pompe. Autant t'as dit que t'en avais pas. Parce qu'elle est naze. Non, elle fonctionne. Parfois, elle fonctionne, mais pas tout le temps. Vous n'avez pas donné la pompe la nuit dernière. Parce que je ne voulais pas. Mais t'es dingue, Hubert. Où étiez-vous hier soir, monsieur? Chez nous, tout le temps. Est-ce que vous avez des témoins? Des tas. Ma femme, mes gosses aussi. Et un voisin. D'état. J'ai même un alibi. Vous pourrez pas m'avoir. Qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Que t'as dit le gars qui tient le kiosque? Ah oui, naturellement. Regardez la façon dont elles sont vêtues. Aucun intérêt pour moi. Pour moi, si. Oui, je m'en rends compte. Eh oui. Regardez toutes ces mini-jupes, tous ces chemisiers entr'ouverts en permanence, mon vieux. Enfin, je veux dire qu'elles veulent se faire remarquer, faire de l'effet. Et sur qui? Sur les hommes.
Malheureusement, vous voyez le résultat. Vous discutez de ce drame, mon cher, d'une façon assez cynique. Je suis d'accord avec tout ça, mon cher collègue. Celui qui a commis cela ne peut être qu'un monsieur immonde, bon, un salaud, pour répandre comme une bête. Non, c'est un peu vite dit, mon cher. On ne pend plus personne pour ce genre de broutille. Vos opinions ne sont un secret pour personne. Lisa, je trouve que les façons d'agir de ces jeunes personnes sont des provocations de tous les instants. Encore que personnellement, je n'y sois pas opposé. C'est joli à regarder. Tiens, le nom est marqué. Hélène Tice. Ah oui. Ouais. Un point près que ce n'est pas elle qui a marqué son nom sur le registre. La signature est fausse. Ouais, je sais, mais Inge Berwald est assez puni comme ça. Tiens, en fait, ça me revient. Hélène Tice voulait aller faire quelques achats à Munich. Oui, c'est exact. Seulement, auprès du corps, on n'a rien trouvé. Bonne question. A-t-elle ou non fait des emplettes? Ah oui, elle tenait un grand paquet. Une grosse sacoche qu'on trouve partout. Dans tous les magasins. Hein. Bah, allez savoir lequel. Oui, j'ai remarqué cette sacoche. Ah. Merci bien. Alors? Oui, elle avait une sorte de grosse sacoche. Mmh. Mais il ignore de quel magasin elle pouvait provenir. Ah. Oui. À quoi tu penses? À rien. Moi non plus. Je suis désolée, je ne trouve rien. Oui, je vous comprends. Je vous dispense de ce devoir. Merci. Vous étiez dans la même chambre. Oui. Vous dormiez sans doute tout près de cet enfant. Oui, nous dormions pratiquement côte à côte. C'est affreux, je sais. Ce n'est pas facile de travailler. Navré de vous ennuyer. Excusez-moi, monsieur Manger. Vous voulez faire travailler? Oui, parce que vous disiez que les choses doivent être aussi normales qu'elles le sont d'habitude. Oui, je suis d'accord. Nous désirions poser une question à mademoiselle Berwald. Hélène voulait aller à Munich y faire quelques emplettes. Oui. Le chef de gare se souvient que quand il a rencontré Hélène, elle tenait quelque chose. Une sorte de sacoche en plastique, comme tous les magasins en ont. Et nous, nous n'avons rien trouvé à côté de la victime. Vous savez peut-être ce qu'elle avait l'intention d'acheter? Oui, un pantalon, un blue jean bleu clair... Et un chemisier noir avec des motifs rouges. Mmh. Bien, ce sera tout. Et j'ai vu que Inge Berwald n'était pas inscrite. Oui, je sais, elle m'a averti. Elle est allée voir sa mère à Munich et elle revient demain dans la journée. Ah bon, alors c'est parfait. Seulement, dans ce cas, cela devrait être marqué. Ah, rien n'est inscrit? Non, non. Allez le marquer, monsieur Manger. Mais naturellement. Bien, vous êtes gentil. Bonne nuit, madame Goebbels. Bonne nuit, monsieur Manger. J'écoute. Ici, l'école hôtelière. Ah, bonsoir, monsieur. Monsieur Manger, c'est vous qui êtes servi ce soir? Ici Inge Berwald. Je téléphone de Munich. Je désire... De Munich? Ah, oui, oui, je sais. Oui, j'ai appris que vous restiez chez votre maman ce soir. Oui, mais il y a quelque chose qui cloche. Ma mère a été obligée de partir voir ma grand-mère et ne m'a laissé aucune clé. Je vais revenir par le dernier train. Oui, par le dernier train. Vous allez le prendre? Oui, seulement si Dirce peut venir me chercher, pourriez-vous l'avertir? Tout de suite? S'il vous plaît. S'il ne peut pas, je passerai la nuit chez une camarade. Je vous rappelle dans quelques instants. Oui, oui, c'est entendu.